regarde, je disais, c'est comme il y a quelques années, ça c'est pour les anciens. Combien de fois on a rappé sur ce truc-là, Emmerick, Clapton. Bien vivre au milieu d'une cité, bien vivre au milieu d'un ghetto français, immeuble délabré ou soi-disant rénové. Chose ne change pas, la tension est toujours là. On modifie la forme, mais dans le fond, quels sont les résultats? Les halls sont toujours remplis de dealers de toshi, les rues de scooters volés, de mauvais esprits la nuit. Si la plupart des jeunes tournent mal, c'est qu'ils ne savent plus la différence entre le bien et le mal. Principale cause s'impose la misère, suivie de près, sinon devancée par le poids d'un échec scolaire. On n'a pas tous eu la chance d'avoir une famille soudée, toujours à l'écoute derrière vous, prêt à vous aider. Les mères ne savent plus quoi faire, débordés sont les pères. Un jeune sur deux ici possède un casier judiciaire. C'est comme ça dans mon quartier, tu veux vérifier? Tu sais, les miens, arabes et noirs pour la plupart d'entre eux. J'ai grandi parmi eux, je connais leur histoire. Dans l'oubli de moi-même, j'ai écrit leur mémoire. Je les aime, je te prédis et crois. J'ai tant chanté leur souffrance, ces Français pourtant étrangers en France. Je n'ignore pas que profonde est leur déchirure. La mienne je tente de soigner par l'écriture. Et bien sûr que j'ai en moi une part d'eux, bien que j'étouffe cette rage qu'ils cultivent en banlieue. Et c'est toujours de la tristesse que tu peux lire dans mes yeux. Et tant de tendresse qui se manifeste de mes voeux envers ces habitants des quartiers, banlieues, cités, trop cités, qu'on a souhaité lier à l'insécurité. Leur différence naît dans le regard des autres, parfois conséquence, la violence est haute, je viens de la banlieue. Une France à part, et y'a pas que la distance qui nous sépare. La cité a ses codes, son langage, son silence, ses modes, ses méthodes et sa lecture du monde. Alors faut que tu lèves ta main et tous les gens des cités lèvent leurs mains. Et tous les enfants d'immigrés lèvent leurs mains. Et tous les fils de prolétaires lèvent leurs mains. Tous ceux qui se sentent solidaires lèvent leurs mains. Et tous ceux de la France d'en bas lèvent leurs mains. Et tous les gens des ghettos lèvent leurs mains. Lève leurs mains, lève leurs mains. Parmi les miens, y'a des dealers, des tueurs et des braqueurs, des crapuleux, mais aussi des durs au grand cœur, des étudiants, des patrons et des sportifs. Tu sais, y'a des innocents et des fautifs. Nos rues sont pleines de talents cachés, transformés en talents gâchés. Sous-estimant la valeur du temps, je me pose une question, les miens sont-ils naïfs ou inconscients? Tu sais, lorsque l'envie domine leur raison, je vois les miens en vie mais en prison. De toute façon, même libres, ils se sentent comme prisonniers, rejettent le bon sens comme un fou, t'essaies de raisonner. Torturés par les regrets, je crois que les miens pleurent, mais en secret. Ils sont si loin qu'ils n'arrivent plus à revenir, ce qu'ils voudraient être, ils n'arrivent plus à le devenir. Ils refusent un avenir sans oseille, souvent victimes d'une adolescence sans modèle en bas des tours. Le temps leur échappe, leur vie se consume, spliff au bec, regard noir, avenir confus. Et certains tapent dans la coke, mais la plupart diront que c'est jamais eux. Mais les autres, combien des miens ne sont pas ce qu'ils voudraient être, ne font pas ce qu'ils voulaient faire, ne vivent pas ce qu'ils voulaient vivre. Ils se croient condamnés à l'échec, l'inégalité sociale comme prétexte. En fait, la délinquance, un héritage maudit que les plus vieux leur lèguent depuis leur plus jeune âge. Alors combien peuvent s'en sortir, construire, partir, ou alors partir pour construire, pour revenir, pour reconstruire et instruire les nôtres? Ça me tue de voir les miens s'entretuer, tirer, tuer, trop s'y sont habitués. Pourtant nos histoires sont les mêmes, et quand on se fait face, on est comme face à face à nous-mêmes. On a la rage pour les mêmes raisons, on subit les mêmes exclusions, reclus dans les mêmes quartiers, enfermés dans les mêmes prisons. Nos parents ont fait preuve du même courage, nous aiment du même amour. Alors pourquoi tu me dévisages tandis que les médias nous salissent, que certains nous trahissent, complotent, rêvent en secret que la France nous bannisse? Dans leur bouche avant on était tous des voleurs, maintenant dans leur reportage on est tous des violeurs. On violerait nos sœurs à plusieurs, on y verrait une justice, une fierté, un honneur. Tu sais ce qu'ils se disent, normal pour des extrémistes en puissance. La haine succède à la peur et eux veulent faire flipper la France. Mais frangin, lève ta main si t'as une sœur et que tu la respectes. Lève ta main si t'as un frère et qu'il te respecte. Lève ta main si t'es conscient que la cité peut être un drame. Que tu sois un homme ou une femme originaire d'Haïti. Originaire d'Haïti, mes racines sont l'Afrique, donc l'Afrique je revendique. Ouais, je revendique même si on m'a dit que ça devenait risqué. Sachez que je suis pas
ceux que le FN a mis au piquet. Lis et tu apprendras pourquoi Haïti souffra. Là, comprends que de droit je représente qu'un frère mafia. Je renie pas son appartenance géographique aux Antilles. D'ailleurs j'en place une pour ceux des nôtres qui sont des Antilles. Et puis j'aimerais dédier ceci au monde entier. Écris sur ce papier ce qui me reste d'humanité. Moi je n'ai rien d'exemplaire, j'ai peut-être fichu ma vie en l'air. Je n'ai pas de leçon à faire, ni de morale à donner. Mais ce que je sais, c'est qu'on crève si on se... La jalousie dans leur vie, ah, ça m'a toujours rendu fou. Et dites-vous, combien de nos ennemis ont tout, ah, s'allier à notre cause au lieu de nous pousser à la faute. Et parce que je cause vrai, je t'avoue que l'amitié est fragile. Puisqu'au bout du compte, t'as peut-être la haine au bout du fil. Faut pas qu'on soit unis jusqu'à ce qu'une femme nous sépare. Faut que je sois sûr qu'en mon absence, tu garderas ma part. L'avarice est un vice, même si parfois on la glorifie. Fini de jouer à celui qui a le plus gros appétit. Car si la misère divise les gens, l'argent les pousse au crime. Et dès que tu cèdes au crime, ne lui succède que d'autres crimes. J'entends en sens que la violence est un boomerang. À son retour, vaut mieux être prêt à la réceptionner. Pensez pour ceux qui sont déjà passés de l'autre côté. Victime, victime du retour de flamme. Mon âme, donnez à ce que j'écrive ces mots. Avant que nos vies ne prennent fin subitement comme ce morceau. Subitement comme ce morceau. Yeah, du bruit.